décidé. Je partirai demain. Veillez à ce que les enfants soient prêts. Dès 7 heures. Vous voyez, vous souffrez encore. Madame la Duchesse, je vous en conjure. Demeurez. Ce voyage va vous tuer. Ici aussi, je risque ma vie. Asseyez-vous sur votre lit. Ne bougez pas. Respirez bien à fond. Remettez à plus tard. Non. C'est demain ou jamais. C'est bien. Allons, mon cher, laisse-toi trotter. Une partie de chasse comme celle-là, je te jure, tu n'en auras pas souvent de pareil. Contrarie-toi. Une région superbe. Rien que de joyeux compagnons. Windisch Kretz, les deux Kretz, un des deux de tes amis, non? Un Français dont j'ai oublié le nom. Le baron von Broch. Un Prussien. Un familier de Bismarck. Bismarck, ça devrait t'intéresser. Toi qui nages dans ces eaux-là, ça ne nous prendra que 4 ou 5 jours. Malgré tes hautes fonctions, tu dois bien être libre de prendre 4 ou 5 jours. Ma chère. Alexandra, ma chère, où êtes-vous dans la lune? Pardon. Je pensais à autre chose. Oh, oui, toujours autre chose. Mais essayez de convaincre votre frère. Vous, il vous écoute. Prendre sa raison, cette partie de chasse te changera les idées. Mes idées sont très bonnes. Je ne vois pas pourquoi je devrais en changer. De quoi tu parles? De la fatigue? Nous te cajolerons, sois tranquille, à 10 heures au lit, promis. Ou du danger? La chasse, tu sais, il n'y a que le gibier qui court des périls. Non, vraiment, même si je le voulais. Ce qui est déjà une manière de me dire que tu ne veux pas. Même si je le voulais, je ne pourrais pas. Je dois regagner Vienne. J'ai une audience de l'empereur. L'empereur, hein? Tiens! Au titre de petit cousin ou au titre de fin diplomate? Affaire de famille ou salut de l'Empire? Je dois simplement lui faire mon rapport sur ma mission à Madrid. Hein? Au moins, rapportes-tu de bonnes nouvelles? Eh bien, pas précisément. Ah, bref, tu as échoué. Franz. Oui. Je n'avais pas à réussir. Ce n'était qu'une mission d'information. J'ai essayé de m'en tirer avec tact. Ça, pour le tact, je te fais confiance. Le jour où je te verrai casser une assiette... Comme vous voudrez. Pardon. Ah, la broderie. Il paraît que ça détend les nerfs. C'est bizarre, c'est bizarre. Moi, ça m'exaspère. Bon. Vu l'animation de notre conversation, et vu que demain je dois partir tôt, et toi aussi, si tu dois être à Vienne dans la journée, je vais me coucher. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu m'as fait peur, c'est tout. Mais il n'y a ici que moi, ton frère, qui pourrait te faire peur. Ce n'est rien, je te dis. Je me sens nerveuse en ce moment. Sans aucune raison, je t'assure. Pas seulement nerveuse. Toute la journée, je t'ai observée. Je te vois
préoccupée, inquiète. Comme si tu attendais quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi. Il n'y a rien. Demain, ça sera passé. C'est ton mari? Non. Il n'a pas recommencé. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Je reviendrai vendredi, vous m'emmènerez la voiture à la gare. Bien, monsieur. Mais un moment aux écuries. Si monsieur le duc le permet, je lui signale que pour son train, il n'a que le temps. Ah, tiens, j'aurais pourtant voulu. Tout est en ordre? J'en viens, monsieur le duc. Rien à signaler. Les gladiateurs. Il a l'air complètement rhumé. Bien. Alors, pour la chasse, pas de regret. Il est encore temps. Et l'empereur? Ah, l'empereur. Tu lui présenteras mes respects, hein, si tu penses. Allez. Il n'y a pas d'urgence. Distribuez. Merci, prince. Quel dommage que vous n'ayez pu rester que ces deux. Décapoté. Alex, tu es folle? Il n'est même pas 7 heures. Je voulais t'embrasser. Et embrasse aussi ta femme et tes enfants. Mais oui, tu sais, je compte revenir te voir bientôt. Et surtout, ne me juge pas. Quoi que je fasse, quoi qu'on te dise de moi, ne me juge pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Ça veut rien dire. Tu as raison, je suis folle. Je voulais t'embrasser, c'est tout. Allez, vas-y maintenant, il est temps. Allez! Comme monsieur le duc aurait pu avoir l'idée de passer par les écuries, il est impas de le faire, alors j'ai préféré attendre pour atteler. Mais tout est prêt, la voiture sera là dans 10 minutes. J'ai pensé, je me suis permis de penser qu'il valait mieux prendre le phaéton. Il est moins confortable, mais il donnera plus l'idée qu'il ne s'agit que d'une simple promenade. Les provisions? Le panier est fait, aux cuisines on s'étonnait de l'abondance. J'ai dit que c'était pour un pique-nique chez la tante de monsieur le duc. Poulet froid, viande froide, pâté. Je suis sûre que vous avez fait pour le mieux. À mon estimation, vous en avez pour 3 jours. Madame la Duchesse est déjà habillée? Madame ne m'a pas attendue si tôt. J'amène les enfants, nous partons au pique-nique. Un pique-nique par ce temps-là? Qu'est-ce qu'il a ce temps-là? Il est radieux ce temps-là. Moi je dis qu'il menace. Edda, si je vous écoutais, je ne sortirais jamais. Non, laissez. Allez plutôt me chercher Mademoiselle Gilou. Bien, Madame la Duchesse. Tiens, la voilà, Mademoiselle Gilou. J'ai pensé que Madame la Duchesse aurait... Entrez! Entrez, Mademoiselle Gilou. Pour la dépêche, vous avez bien compris, vous ne devrez partir qu'à 8 heures du soir. La nuit, le télégraphe ne fonctionne pas. Pour peu que le duc soit sorti tôt pour la chasse, il ne recevra la dépêche que demain soir. Il la nous donne 2 jours d'avance. Je peux la retarder plus encore. Non! Là, il comprendrait que vous êtes complice. J'en cours le risque. Il faut qu'il ne puisse soupçonner ni Colmer ni vous. Dieu seul sait de quoi il serait capable. Thank you.
ramené sa poupée. Et alors? Je ne veux pas me promener avec une poupée. Oh non, je veux ma poupée. Nous allons être ridicules. Elle n'a pas besoin de sa poupée. Elle ne la prend jamais que pour dormir. Qui sait si nous n'aurons pas à dormir? Friedrich, ramassez cette poupée. Colmer est là pour ça. Colmer n'est jamais là pour les petits garçons quand ils sont mal élevés. Ramassez cette poupée. Le panier est attaché derrière. Dans la boîte, sous le siège, j'ai mis une carte et toutes les indications au cas où Madame la Duchesse aurait oublié les détails. Madame se souviendra? Oui. C'est simple. Toujours tout droit. Et puis, à 18 km, c'est-à-dire à peu près dans une heure, prendre à droite la petite route qui longe le calvaire. Madame se souviendra? Oui, oui, très bien. Merci pour tout. Un jour, vous saurez que vous m'avez sauvé la vie. Je le sais déjà, Madame la Duchesse. Pourquoi est-ce vous qui conduisez et pas le cocher? Parce que c'est beaucoup plus amusant, tu ne trouves pas? Allez, hop, Gladiator! Hop, Gladiator! C'est exprès que je lui ai donné Gladiator. C'est le cheval auquel ce salaud tient le plus. J'espère que c'est bien là. Colmer a dit le chemin qui longe le calvaire. Tu as entendu? Oui. Allez! Allez! Mère. Oui? Nous ne retournerons plus à la maison, n'est-ce pas? Non, mon chéri, nous n'y retournerons plus.